retard d'avenir, des requêtes incessantes, des attentes continuelles, des années qui se succèdent mais qui restent identiques. Maintenant, en une heure, l'exaucement tient lieu. L'heure de l'exaucement. Ne manque pas ce moment, idoine et capital pour ton envol. L'heure de l'exaucement, c'est tous les jeudis avec le révérend Payard Akame. Sur ta voiture. Ça fait un bafou. Ta maison est devenue la piste. C'est la piste. On n'atterrit pas sur ta maison. Mais les sorciers, la maladie. Even the sickness. Crie et parle. Pray and speak. Même les larmes. Even tears. Crie et parle. Cry and speak. Et même ces problèmes-là. And even these problems. Crie et parle. They cry and they speak. La Bible dit. The Bible says. La Bible dit. The Bible says. Quand Agar. When Agar. Était dans le désert de Beth-Sheba. Was in the wilderness of Beth-Sheba. Pendant qu'elle était dans le désert. While she was in the wilderness. Elle a porté l'enfant Ismaël. She carried the baby Ismael. L'eau est finie dans Luke. And the water was finished in the vessel. Que Abraham lui avait donné. That Abraham gave to her. Elle a laissé l'enfant. She left the baby. Sous un abrisseau. Under a tree, a et elle allait ailleurs. And she went to elle a dit place. Je refuse, and she said, I refuse de voir mon enfant mourir. To see my baby dying. La Bible dit. The Bible says. La Bible dit. The Bible says. Pendant que Sarah était de l'autre côté. While Sarah was on the other side. En train de pleurer. To weeping. La Bible dit. The Bible says. Dieu. God dit à Sarah, said to Sarah, j'ai entendu la voix de Ismaël. I heard the voice of Ismaël. Je n'ai pas entendu ta voix. I didn't hear your voice. J'ai entendu la voix du bébé. But I've heard the voice of the baby. Le problème de Agar. The problem of Agar. C'était Ismaël. Was Ismaël. Le problème d'Ismaël. The problem of Ismaël. N'était pas Ismaël. Was not Ismaël himself. Ismaël n'avait pas de problème. Ismaël had no problem. Mais Ismaël était un problème. But Ismaël was a problem. Ismaël n'avait pas de problème. Ismaël had no problem. Mais Ismaël était un problème. But Ismaël was a problem. Et pendant que Agar. And while Agar était de l'autre côté. Was on the other side. Et Dieu dit à Agar. And God said to Agar. J'ai entendu la voix de Ismaël. I heard the voice of Ismaël. 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 Ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. Could not hear the voice of God. Mais Ismaël. But Ismaël. Pouvait entendre la voix de Agar. Could hear the voice of Agar. Et l'ange vient parler à Agar. And the angel come and talk to Agar. L'ange vient parler à Agar. The angel come and talk to Agar. Que va parler à Ismaël. Oh! L'ange vient parler à Agar. The angel come and talk to Agar. Va parler au problème. Go and talk to the problem. J'ai entendu la voix du problème. I heard the voice of the problem. Mais le problème n'entend pas ma voix. But the problem doesn't hear my c'est voice. C'est toi qui entends ma voix. You hear my voice. Va maintenant parler au problème. Now go and talk to the problem. La révélation est forte. That revelation is strong. Il y a quelqu'un ce matin. There is somebody this morning. Les problèmes vont entendre ta voix. Your problems are going to hear to your voice. Toi, tu as entendu la voix de Dieu. You have the voice of God. Et tu es venu ici. And you came here. Si tu parles maintenant à ton problème, you speak now to your problem, ton problème va entendre ta voix. Your problem will listen to your voice. Il y a quelqu'un ce matin qui sera béni. There is somebody this morning that will be blessed. Il y a quelqu'un ce matin qui sera béni. There is somebody this morning that will be blessed. Il y a quelqu'un ce matin there is somebody qui sera this morning that béni. Will be blessed. Et Ismaël, and Ismaël a entendu la voix de Agar. Heard the voice of Agar. Ismaël aussi ne s'est pas calmé pour rien. He didn't become quiet for nothing. Ismaël. Ismaël s'est calmé. Became quiet. Parce qu'il a vu Agar. Because he saw Agar. Calme. Quiet. Agar aussi ne s'est pas calmé pour rien. Agar didn't become quiet for nothing. Parce que quand Agar fait un détour. Because when she did like this. Agar a vu un puits d'eau. She saw a pit of water. Agar.
Agar ne s'est pas calmée pour rien. Agar didn't become quiet for nothing. Agar regardait. When she looked, when she turned, Agar a vu. She saw la solution à son problème. The solution to her problem. Je parle dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. I'm speaking in the life of somebody. Tu vas voir ce matin ton la solution morning, de ton problème. You are going to see the solution to your problem. Je dis ce matin, I said this morning, pendant que je parle comme ça, while I'm talking like tu this, vas voir la solution à ton you are problème. Going to see the solution to your problem. Quelqu'un dit amen. Somebody says amen. Dis, oh Dieu. Say, oh Lord. Oh Dieu. Oh Lord. Ouvre mes yeux. Open my eyes. Pour voir. To see. La solution. The solution. Écoute ceci. Listen to this. Avant d'aller à la prière. Before going to prayer. Frères. Brothers. Rien ne nous dit que les puits n'existaient pas avant. Nothing is telling us pit didn't exist before. La Bible précise. The Bible says it clearly. Que Dieu that God a ouvert les yeux de Agar. Opened the eyes of Agar. Et Agar a vu. And Agar saw le puits d'eau. The pit of water. Dieu a ouvert. God opened les yeux de Agar. Agar's eyes. La Bible ne précise nulle part. The Bible is not saying anywhere. Agar était aveugle. That Agar was blind. Agar n'était pas aveugle. Agar was not blind. Mais ses yeux étaient fermés. But her eyes was closed. Pour une seule chose. For only one thing. Le puits. The pit. Tu peux marcher à gauche et à droite. You can walk left and right. Avec des yeux ouverts. With open eyes. Mais tu ne vois rien. But you see nothing. Mais aujourd'hui. But today. Ma prière de ce matin. My prayer of this morning. Le voile. The veil. Que l'ennemi a mis dans tes yeux. That the enemy put in your eyes. Pour que tu ne vois pas. For you not to see. La solution de ton problème. The solution to your problem. Pour que tu ne vois pas. For you not to see. La solution de ton miracle. The solution to your miracle. Aujourd'hui là. Today. Le voile à qui. That veil is. Oh Dieu. Say, oh Lord. Oh Dieu. Oh Lord. Pendant que je prie ce matin. While I'm praying this morning. Tout voile. Any veil. Que l'ennemi a mis devant mes yeux. That the enemy put in front of my pour eyes. Pour ne pas voir ma solution. Not to see my solution. Je déchire ce voile. I tear it. Je déchire ce voile. I tear it. Ouvre ta bouche et frappe les mains, commence à prier. Start praying. Prie bien. Pray very well. Tes yeux doivent s'ouvrir. Your eyes must be open. Tes yeux doivent s'ouvrir. Your eyes must be open. Tes yeux doivent s'ouvrir. Your eyes must be open. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Écoutez-moi bien. Listen to me very well. J'ai un mandat. I have a mandate. Pour 114 personnes. For 140 people. Tes yeux doivent s'ouvrir. Your eyes must be open. Pour voir le puits là. To see that pit. Parfois le miracle est à côté de toi. Sometimes the miracle is close to you. Le miracle n'était pas loin de Agar. The miracle was not far from Agar. Son miracle était là. Her miracle was there. Mais ses yeux fermés. But her eyes were closed. À partir d'aujourd'hui. From today. Tes yeux doivent s'ouvrir. Your eyes must be opened. C'est-à-dire que même si ce sont les sorciers. Even if it is sorcerers. Qui ont fermé tes yeux. That close your eyes. Pour que tu ne vois pas ta bénédiction. For you not to see your blessings. Ce matin. This morning. Les cailles de sorcellerie la quittent. That thing, leave your eyes. Un bon amen. Somebody says a good amen. Dis, oh Dieu. Say, oh Lord. Oh Dieu. Oh Lord. Mes yeux s'ouvrent ce matin. My eyes are open this morning. Ses yeux se sont ouverts. Her eyes were open. Et elle a vu le puits. And she saw the pit of water. Le miracle est à côté de toi. The miracle is near to you. Mais tu n'arrives pas à le voir. But you are unable to see it. Parce que tes yeux sont fermés. Because your eyes are closed. Qui a fermé les yeux de Agar? Who closed Agar's eyes? Pasteur. Pastors. Prêchez-moi ce message. Preach me this message. Qui a fermé les yeux de Agar? Who closed Agar's eyes? Qui? Who? Qui a fermé
Who closed? Les yeux de Agar. Agar's eyes. Qui? Who? C'était son père. Was it his C'était father? Son grand-père. Her grandfather. C'était Esaü. Was it her ancestors? Frère. Brothers. Frère. Brothers. Qui a fermé les yeux de Agar? Who closed Agar's eyes? Agar a eu le miracle dans la maison de Sarah. Agar had a miracle in the house of Sarah. Elle a fait l'enfant avec Abraham. She had a child with Abraham. Mais pour l'autre miracle, but for the other miracle, les yeux étaient fermés. The eyes were closed. À un certain moment, tu peux avoir un niveau de miracle. At a certain time, you can have a level of miracles. There is another one. The eyes must be opened. Je vous dis la vérité. I'm telling you. La bénédiction c'est étape par étape. The blessing is step by step. Dimension par dimension. Dimension by dimension. Dieu. Say, oh Lord. Pendant que je prie ce matin. While I'm praying this morning. Quelle que soit la personne, no matter the person, qui a fermé mes yeux, that closed my eyes, pour que je n'entre pas dans mon héritage, for me not to enter in my inheritance, aujourd'hui, today, pendant que je pose la main sur mes yeux, while I'm laying my hand on my eyes, et en priant, and by praying, mes yeux s'ouvrent, my eyes are open, mes yeux s'ouvrent, my eyes are open, mes yeux s'ouvrent, my eyes are open, pose la main sur tes yeux et put commence à ouvrir ta bouche et prie. Start opening your mouth and pray. Recouche un bras d'ayakura, catarata, robot, catarata. Yekete. Continue, continue, continue. Keep on, keep on. Ripachu kanda raba baba sere bobo rekoroku sarabrada ya korogoronga imrene yundara kunumrada ya karababa rekorokoroku shumrada ya karababa irebranda ya karaguru mranda ya kuru kandura branda ya koroku mranda ya koro yekarakumrada ya koroki shamra yekerebrada indurubus katarababa yekerebrada yuda ya karabus sarabrada ya kula. Continue de prier. Keep on praying. Continue de prier. Keep on praying. Je te vois prier. I see you praying. Prie. Tes yeux doivent s'ouvrir. Your eyes must be open. Ton miracle doit être visible. Your miracle must be visible. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je prie pour quelqu'un ce matin. I pray for somebody this morning. Quel que soit. No matter. La sorcellerie qui a fermé tes yeux. The witchcraft that closed your eyes. Même si ça vient de ton village. Even if it comes from your village. Même si ça vient de ton quartier. From your quarter. Pendant que je parle ici. While I'm speaking je here. Je déclare que cette sorcellerie l'a quitté tes yeux. I declare that witchcraft leave your eyes in the name of Jesus. Il y a des femmes qui devaient être mariées depuis. There are women that must be married for a long time. Tu travailles tous les jours. You are leaving your husband every day. Tu n'arrives pas à identifier que c'est ton mari. Unable to identify that is your husband. Quand elle vient même t'aborder. When she comes to talk to you. Tu crois que c'est l'histoire comme les autres histoires. You believe it is the matter like all the matters. Alors que c'est le mari de ta vie. Whereas that the husband of your life. Pendant que je prie ici. While I'm praying here. Toute personne. Any person. Qui n'arrivait pas à entrer dans son miracle. Unable to enter in his miracle. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Your eyes are open now. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Eyes are open now. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Eyes are open now. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Eyes are open now. Je déclare les yeux ouverts pour ton mariage. Open for your marriage. Je déclare les yeux ouverts pour ton mariage. Open eyes for your marriage. Je déclare les yeux ouverts pour ta promotion. Open marriage for your je déclare les yeux ouverts pour ton élévation. Open eyes for your elevation. Je déclare les yeux ouverts pour ta nomination. Open eyes for your je déclare les yeux ouverts pour ton voyage. Open reçois ton miracle. Receive your miracle. À partir d'aujourd'hui. From today. Est-ce que vous savez que même Paul? Do you know that even Paul? Est passé par cette histoire des yeux fermés. Went through that matter of alors que les yeux closed eyes, while he has closed, opened. Tu peux être à l'église. You can be in the church. Tu communies avec Dieu. You are with God. Mais les yeux fermés. But the eyes are closed. Tu n'arrives pas à identifier. You are unable to identify ton puits de bénédiction. Your pit of blessings. Je vais libérer 38 puits maintenant. I'm going to release 38 je pits. Je vais prier. I'm going to pray. À partir de ce matin. From this morning. Pendant que je prie ici. While I'm praying here. Je déclare. I declare. Tu identifies ton puits de you bénédiction. You identify your pit of blessings.
La façon que tu dis amen les bizarres. The way you say amen is just change. Je dis que tu identifies ton puits de bénédiction. Identify your pit of blessing. Tu identifies ton puits de bénédiction. Identify your pit of blessing. Tu identifies ton puits de bénédiction. Identify your pit of blessing. Je libère les puits de bénédiction. I release pit of blessing. Je libère les puits de bénédiction. I release pit of blessing. Je libère les puits de miracles. I release pit of miracles. Je libère les puits de promotion. I release pit of promotion. Je libère les puits de finances. I release pit of finances. Je libère les puits d'argent. I release pit of money. Reçois ton puits au nom de Jésus. Receive your pit in the name of Jesus. Pendant que je prie comme ça, while I'm praying like this, quelqu'un avait fermé ton puits. Somebody closed your pit. Tu passes à côté de ton miracle. You are passing by your miracle. Tu n'arrives pas à entrer dans ton miracle. You are unable to enter in your miracle. Tu passes à côté de ta bénédiction. You pass closer your blessing. Tu n'arrives pas à entrer dans ta bénédiction. You are unable to enter in your blessing. Ce matin, I said this morning. Je prophétise. I prophesy. Je prophétise. I prophesy. Quelqu'un ici. Somebody here. Tu sais seulement que tu dois voyager. You only know how to travel. Tu ne connais même pas le pays que tu dois aller. You don't know the country where you have to go. Tu as seulement appris que tu dois voyager. Mais tu ne connais même pas le pays que tu dois aller. Je dis que cette semaine, I said this week, cette semaine, this week, cette semaine, this week, cette semaine, this week, tes yeux s'ouvrent, tes yeux s'ouvrent, et tu identifies ton miracle. Je dis tes yeux s'ouvrent, et tu identifies ce pays-là. Reçois au nom de Jésus. Il y a des gens seulement qui disent que j'ai envie de travailler. There are people that only say I would like to have a job. Tu ne sais même pas là où tu dois aller déposer don't le dossier. Don't even know where you have to deposit your file. Tu déposes à gauche, tu déposes à droite, tu déposes à gauche. You deposit left, right, you deposit left. Confusion totale. Total confusion. Et à la fin, tu n'as pas de travail. And at the end, you have no job. Ce matin. This morning. Pendant que je prie ici. While I'm praying here. Je dis. Je vais ouvrir les yeux des gens. I'm going to open the eyes of people. Tu vas voir clairement. You are going to see clearly. Là où tu vas aller demander le travail. Where you have to go and search the job. Avant de finir ta demande. Before leaving your file. Avant de finir ta demande. Before finishing your file. On t'aura déjà refusé. They shall take you. Je prie pour quelqu'un ce matin. I pray for somebody this Je prie pour quelqu'un ce matin. I pray for somebody tes yeux s'ouvrent et tu identifies ton lieu your de service. Eyes are open and you see your service. Je dis les yeux s'ouvrent et tu identifies ton your lieu de service. Open and you see your job site. Yeah, il y a les gens ici. La SNH est en train de t'attendre. Tes yeux s'ouvrent et j'ai établi à la SNH. Il y a des gens ici. La CSPH est en train de te chercher. Tes yeux s'ouvrent et tu identifies la CSPH. Il y a quelqu'un ici. La Sonara est à ta recherche. Tes yeux s'ouvrent et tu identifies la Sonara. Il y a des gens ici. La SNH est en train de te chercher. Tes yeux s'ouvrent et tu identifies la SNH. Reçois ton miracle. Il y a quelqu'un ici. Les noms sont en train de t'attacher. Tes yeux s'ouvrent, tu entres à les noms. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un ce matin. I pray for somebody this morning. Toi qui avais les yeux fermés. You that had closed eyes. Tu n'arrivais pas à entrer dans ta source. You were unable to enter in your source of blessing. Ce matin. This morning. Dieu t'établit au nom de Jésus. God established you in the name of Jesus. Si tu dis un bon amen, tu es établi. If you say good amen, you are established. Si tu dis un bon amen, tu es établi. If you say good amen, you are established. Je finis donc par cette révélation. I finish by this revelation. Avant d'entrer dans les prières, les prophéties. Before entering prophecy prayers. J'ai été choqué. I was shocked de savoir to know que le seul héritage that the only inheritance que Abraham a donné that Abraham gave à Ismaël to Ismaël et à Agar and to Agar c'était l'outre d'eau was the vessel of water. C'est comme la goutte. A vessel. On te met l'eau dans la goutte. They put water in on te donne. And they give it to you. Voilà ton héritage. That's your inheritance. Et c'est évident que quelques jours après, l'eau est finie. It is clear that after some day that water was finished. Et Dieu a ouvert mes yeux. And God opened my eyes. Et m'a fait comprendre. And let me understand. Fils de l'homme. Son of man. Tu n'as pas besoin de l'héritage d'un homme. You don't need the inheritance of a man to succeed. I'm telling you. Like fils de l'homme. He said, son of man. Tu n'as pas besoin de l'héritage d'un homme. You don't need the inheritance of a man to succeed. La personne qui donne l'héritage. The person that gives inheritance. Agar et Ismaël and Ismaël avaient juste une goutte d'eau. Only had a vessel of water. Mais ils ont réussi. But they succeed. Il y a
des gens qui disent qu'on ne m'a rien laissé. There are people who say they left me nothing. On ne m'a rien donné. They gave me nothing. Je n'ai rien. I have nothing. Tu limites ta vie. You limit your life. À partir d'aujourd'hui. From today. J'ai compris que la seule personne qui donne l'héritage. I understood the only person that gave inheritance. It is God. Si tu crois, tu dis amen. If you believe, say amen. Amen. Mais si tu es venu prier ici là pour l'héritage de ton père que vous êtes en train de If you came to pray here for the inheritance of your father that you are just arguing. Je suis désolé pour toi. I'm sorry for you. Hey, le Seigneur me parle même de quelqu'un comme ça. The Lord is talking to me about somebody like that. C'est même en fait son sujet de prière. As a matter of fact, that's his prayer topic. Il y a les discussions dans la famille. They are discussion in the family. L'héritage. They are arguing about inheritance. Une plantation qui sont en train de discuter I see a field. They are arguing about now. La personne là où? Where's that person? Viens, je prie. Come, I pray. Dieu exauce tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. God answer in a manner or in another one. Je suis passé d'un problème qui parlait contre toi. I pass in a problem that was talking against you. En fait, Dieu voulait que je passe pas comme ça pour ta délivrance. As a matter of fact, God wanted to deliver you through it. Une plantation. The Lord showed me a field. Now. C'est même en discussion maintenant. They are arguing about it right now. L'héritage des parents. Inheritance Maintenant, of the fathers. Toute l'attention, les bagarres dans la famille à cause d'une fighting the family because of the field. Hein? Ok, je vais prier maintenant. Hein? I'm going to pray now. Je vais prier maintenant. I'm going to pray now. Quelqu'un dit un bon amen. Somebody says it. Oh Dieu. Say oh Lord. Mon héritage vient de toi. My inheritance comes from Mon you. Mon héritage vient de My toi. My inheritance comes from Pendant you. Pendant que je prie maintenant. While I'm praying now. Que mon héritage soit libéré. Let my inheritance Que mon héritage be soit libéré. Let my inheritance Ouvre be released. Ouvre ta bouche et prie pour la libération de ton héritage. 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 Libère ton héritage. Libère ton héritage. Libère ton héritage. Ouvre ta bouche et prie. Libère ton héritage. 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 Libère tes trésors. Libère tes trésors. Libère ton trésor. Libère ta richesse. Libère ton argent. Libère tes biens. Prie. Laisse-le toi dans la prière. Dieu doit libérer ta vie. Je dois libérer ton estache. Jésus. In the name of Jesus. Précision. Precision. Ce n'est pas un culte. It's not a service. C'est un moment de prière. It's a moment of prayer. Si tu es venu en culte pour venir me faire comme spectateur. If you came to a service just to be a spectator. J'ai pas peur de toi. I'm not afraid of La you. La porte est ouverte. The door is greatly open. Je ne veux pas les espions ici. I don't want spies here. Je ne veux pas que quelqu'un meure avant. I don't want somebody to die before his C'est time. C'est un moment de prière. It is a moment of prayer. Donc si tu es là. So if you are here. Tu as un problème. It's because you have a problem. Et tu veux que Dieu agisse. And you want God to act. Donc Quand so, tu pries, when they say pray, lève-toi et prie. Stand up and pray. Je suis un prophète compliqué. I'm a complicated prophet. Je fais cette précision. I've always done this precision, given it. Non, maman, toi, je te vois là. Toi, reste là. No, mommy, je te connais. Je connais quand tu es là. You. Tu dois même d'abord témoigner même. You have to testify. Tu dois témoigner aujourd'hui. You have to testify Parce today. Parce que quand je te vois avec les bébés comme when ça, I see you ça c'est babies un témoignage. Like this is a testimony. C'est toi son mari, non? This is your husband. J'avais fait la prophétie ici, c'était ça non? I gave the prophecy. Tu vas témoigner là tout à You are going to prophesy. Parce que la sorcellerie avait dit qu'elle ne peut pas accoucher. Witchcraft says you cannot give birth. Je vous dis, je suis. I'm telling you. I am a very complicated man. Je suis un homme très compliqué. Voilà ça que je vous dis. That's it, I'm telling you. Je vous dis ça. I'm telling you. Et j'ai fait un rêve cette nuit. And I had a dream this night. J'ai fait un rêve. I had a dream. Cet rêve m'a fait entrer dans mon bureau. That dream made me enter in my office and pray. Cry to God. Parce que j'ai vu quelque chose de tellement fort. Because I saw something very strong. Dis. I'm telling you.
Je vous dis. I'm telling you. Il y a des choses que quand Dieu veut faire avec toi, ne demande pas ton avis. There are things when God wants to do it with you, he doesn't ask your opinion. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Ce que Dieu m'a montré. What God has shown to me this night. Il n'a pas demandé mon avis. He didn't ask my opinion. Je vous dis, je vous parle. I'm talking to you. Caméra, radio, enregistré. Register, record it. Je suis au-dessus des principautés de cette nation. I am above the principalities of this nation. I'm telling you. Je vous dis. I'm telling you. Je vous dis. I'm telling you. Je sais ce que je dis. I know what I'm saying. I'm telling you. I know. Et si tu veux, and if you want, que tout votre village, let your whole village en sorcellerie, gather in witchcraft, venez m'attaquer, to come and attack et me, on va voir ce qui va and arriver. We are going to see what will happen. I'm telling you. I'm telling you. Anciens, elders, j'ai vu avec mes yeux quelque chose. With my eyes something. J'ai vu comment m'a remis quelque chose. I saw how they gave me something. I'm telling you. Peut-être avant-hier tu pouvais encore. Maybe before yesterday you could. On peut l'essayer. Let us try. Tu pars dans ton village, tu réunis tous les sorciers. You go in your village, you gather the whole sorcerers. Si tu n'as pas ma photo, tu viens prendre ma photo. If you don't have my pic, come and take my pic. Si tu veux mes cheveux, je te coupe. If you want my hair, I cut it and give si it to you. Si tu veux mes ongles, if you want my nail, I give it to you. On prend encore avec quoi chez le marabout? Les sous-vêtements. Under here. Si tu veux, je prends mes sous-vêtements. If you want, I take my under here and give it to you. What do I ask? The money I use, I take it from my pocket. I take it and I give it to you. Quoi? La sueur. Je prends la sueur, je te donne. The sweat, I give it to you. Même si tu veux mes urines. Even if you want my urine. Je vais prendre, je vais te donner. I'll take it and give it to you. Je dis allez donc. I say go and start with witchcraft. Pendant que la réunion sera en train de commencer, while the meeting will be starting, la moitié va d'abord mourir à l'introduction de la réunion. The half will die at the beginning of the meeting. Je vous dis, I'm telling you. Et au milieu de la réunion, and in the middle of the meeting, l'autre moitié va tomber. The other half will et fall. Et il n'y aura personne pour finir la and réunion. And there shall be nobody to finish the je meeting. Je prophétise dans ta vie. I prophesy in your life. Le sorcier qui se lève contre toi, the il meurt avant le commencement. You, he died before the beginning. Le sorcier qui se lève contre ta famille. The sorcerer that stand against il meurt family. Avant le début. He died before the beginning. Le sorcier qui se lève contre the tes enfants. The sorcerer that rise against your kids. Il tombe. He falls. Le sorcier qui se lève contre tes finances. The sorcerer that stand against il meurt the avant le début. He died before the beginning. Reçois ton pouvoir. Receive your power. Reçois le pouvoir. Receive power. Reçois l'autorité. Receive authority. Reçois le pouvoir. Receive power. Reçois l'autorité. Receive authority. Je te transfère le pouvoir. I transfer you power. Au-dessus des principautés, tu es au-dessus des dominations, tu es au-dessus des forteresses. Reçois le pouvoir, transmets le pouvoir, reçois la couverture, reçois la main de Dieu. Tu vas écraser la sorcellerie de ton village, tu vas écraser les sorciers de ta famille. Ceux qui bloquent les mariages, tu vas les écraser. Ceux qui bloquent le travail, tu vas les écraser. Ceux qui bloquent les promotions, tu vas les écraser. Reçois le pouvoir. Je prends l'onction qui est sur ma vie. C'est que Dieu m'a montré cette nuit. Je transmets le pouvoir. Reçois l'onction. Tu vas terroriser le diable. Tu vas terroriser les ressuscitants. Tu vas terroriser les sorciers de ton village. À partir d'aujourd'hui, from today, celui qui t'attaque par erreur, the one that attacked you by mistake, il meurt par correction. He died by correction. Écoutez ceci. Listen to this. Vous vous rappelez dimanche passé? Do you remember? Jeudi passé. Last Thursday. Je suis venu avec la photo d'une femme qui était malade ici. I came with a picture of a sick woman. Vous vous rappelez non? Do you remember? Et j'ai raconté l'histoire. And I told the story. Responsable. The people that are responsible. Je vous ai montré la photo là non? I show you that picture. Hein? La femme, je vous ai dit que la femme était en Europe malade. The woman was sick. Depuis in Europe. Deux mois. Que la femme n'arrivait plus months. À bouger. J'ai montré la photo les six jeudi passé non? To move. Je vous ai montré la photo last non? Thursday. Le même jeudi. The same Thursday. Dès que j'ai fini de prier. As soon as I finished praying. J'ai invoqué le Dieu qui détruit les œuvres de la God that destroyed the evil of the evil. Le même jour. The same day. La principale personne qui était qu'on voyait, qui était le
Suspect numéro 1 de cette affaire. The number one suspect of that le matter. Le même jour. That same day. Au village. In the village. Il fait comme s'il traversait la route. He does as if he was crossing the road. Une voiture est venue de nulle part. A car came from nowhere. La voiture l'a cogné. The car knocked him. L'a écrasé. And crushed him. Et la voiture est partie juste aujourd'hui. And the car went to today. I don't know that car. Vous a, je dis, j'ai prié avec Christian. Avec la photo, je vous montrais la photo. I was showing le you the même picture. Jour. The same day. Écoutez. Listen. Et la fille qui est en Europe. And the girl that qui is a in Europe. Deux mois sans bouger. She spent 2 months without moving. Le même jour. The same day. Le même jour. The same day. Vous parlez de quoi? What are you talking about? Pendant que le sorcier meurt au village. While the sorcerer was dying in the village. La sœur qui est en Europe. The sister in Europe. Elle a dit elle fait. She spent 2 months like this. Avec les sons de partout, 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 partout. With ash everywhere, everywhere. Dès que le premier sorcier est tombé au village. As soon as the first sorcerer fell in the village. Elle commence à danser le soir. She started breaking, dancing break. Tu sais que quand tu commences comme ça. You know when you start, you start like this. After you come like this. Après tu fais comme ça. After you do like this. Attends. Hold on. Le premier sorcier c'était pour que ça fasse comme ça. The first sorcier was for how to do like this. Ce jeudi. This Thursday. Le deuxième sorcier tombe. The second sorcier will fall. C'était la main la semaine passée. It was last week. Aujourd'hui c'est. Today is. Quel que soit les sorciers. No matter the sorcerer. Qui était responsable dans la vie de cette femme. That was responsible in the life of that woman. Je déclare tous ces sorciers là tombent par la mort. Quelqu'un dit amen. Somebody says amen. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. I pray for somebody today. Tous les sorciers. All sorcerers. J'ai derrière ton problème. Listen behind your problems. Bayakau shayi gaga gaga gaga. Ie korokushkata rabai kagua zumbrede itu zayutaya toroko 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 tous les sorciers cachés derrière ta souffrance ils ne traversent pas le mois de novembre. They don't leave the month of November. Continue de prier. Continue to continue pray. Continue de prier. Keep on praying. Les sorciers là ne traversent pas nos vagues. That sorcerer doesn't leave the les sorciers qui ont bloqué ta vie. Les sorciers qui ont tué ta vie. The sorcerer that killed your life. Qui ont tué tes affaires. Your business. Qui ont retardé ta promotion. That delay your promotion. Qui ont retardé ta nomination. That delay your qui ont retardé ton mariage. That delay your ils tombent. Même si c'est ton oncle. Even if it is your même uncle. Si c'est ta tante. Even if it is your ils tombent. They fall. Même si c'est ton père. Even if it is your il a father. Fait la sorcellerie sur toi. If you did witchcraft il tombe. He falls. Les gens qui ont bloqué ta source de bénédiction. Ton puits de bénédiction. Aujourd'hui. Today, c'est la fin. It is the end. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je prophétise. I prophesy. À partir d'aujourd'hui. From today. Femme, lève-toi un peu. Woman, stand up. Est-ce que tu sais que c'est ta plantation? Do you know it is your field? C'est ta plantation. That's your field. Il y a un jour. There is one day. Ton père. Your father. Tu avais 8 ans. You were 8 years. À l'époque. At the time. Et ton père. And your father. T'a donné cette plantation. Gave you that field. Et tes frères et les autres qui sont en train de. And your brothers and others that are arguing. Ils savaient bien que c'est à toi qu'on. They know it belongs to you. Mais ils sont en train de faire la guerre. But they are doing a fight. War. Hein? C'est ça que j'ai dit là. That's what I'm saying. Il y a la guerre chez vous. There is war. Mais cette guerre s'arrête aujourd'hui. But that war stop today. Tu as dit amen. Have you said amen? Cette guerre s'arrête. That war stops today. Ça s'arrête.
it is stopped today. Laisse-moi prophétiser. Let me prophesy. Je parle dans ta vie. I'm talking to your life. En tant qu'oint de l'Éternel. As an anointed of the Lord. Par la grâce de Dieu qui m'a été conférée. By the grace of God given to me. Par la voix et l'autorité de Dieu dans ma vie. By the power and the authority of God in my life. Par le principe de Dieu qui s'applique à ma vie. By the principle of God that apply in my life. Par l'autorité céleste que Dieu a déposée dans ma vie. And by the heavenly authority God delay in my life. I'm talking as an established avec prophet. Avec mon office de prophète. With my office avec of prophet. De prophète. With my ministry of prophets. De Dieu dans cette by the anointing of God in this par la commission. Main de Dieu dans cette commission. By the hand of God in this commission. Je décrète et je déclare. I decree and I declare. Ce que tu as perdu. What you lost. À cause des œuvres de la sorcellerie. Because of the deed of tu retrouves la chose you aujourd'hui. You find back the thing today. Amen. 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 Je dis tu retrouves la chose aujourd'hui. I say you find back the thing today. Quelqu'un ne me comprend pas bien. Somebody's not understand me very well. Je dis tu retrouves la chose aujourd'hui. I say you find back that thing today. Je dis tu retrouves la chose aujourd'hui. I say you find back that thing today. 18 ans ne sonne pas. 6. Je parle à ta vie. I'm talking to your life. Seigneur. Lord. Toi qui m'as accordé la grâce de parler au téléphone. Lord that gave me the grace to talk to the phone. Et le téléphone a reçu les coups de fil que je veux. And the phone received the phone call I wanted. Je parle à ton téléphone. I'm talking to your phone. 18 ans ne sonne pas. 6 in the evening doesn't ring. Le miracle a tombé dans ton téléphone. The miracle falls in your phone. Je dis le miracle a tombé dans ton téléphone. The miracle falls in your phone. Le miracle a tombé dans ton téléphone. The miracle falls in your phone. Le miracle a tombé dans ton téléphone. The miracle falls in your phone. Je ne connais pas les miracles que tu as perdu. Je ne connais pas les miracles que tu attendais. Aujourd'hui, aujourd'hui, le miracle a tombé dans ton téléphone. Reçois. Receive. Jésus. Reçois. Receive. Il y a 74 personnes qui reçoivent. There are 74 people that are receiving. Les coups de fil de miracle. From God of miracles. Les coups de fil de miracle. From God of miracles. Les coups de fil de miracle. From God of miracles. Les coups de fil de miracle. From God of miracles. Les coups de fil de miracle. From God of miracles. Sois connecté à ce coup de fil. Be connected to this. Sois connecté à ce coup de fil. Be connected to this. Reçois ton coup de fil de miracle. Receive your from God of miracles. Je parlais comme ça hier soir. I was talking like this yesterday in the evening. Yesterday in the evening during the program. And I said, while she was going back, he found that miracle at home. Une femme. A woman. Elle était abandonnée par son mari depuis des années. She was abandoned by her husband for many years. Prendre une autre femme. The man went to take elle another wife. La femme avec tous les enfants. And he abandoned the woman with all the children. Elle allait habiter ailleurs. He went to stay in another place. À la bouche du prophète. By the mouth of the prophet. La femme était au culte. The woman being here in the service. The phone started ringing. The phone started ringing. Elle regarde. She looked. Elle constate que c'est son ancien mari. She realized it is her ancient husband. Elle raccroche. She just put it. When she went, elle appelle le mari. She called the husband. Tu m'as appelé. He said, you called me. Il dit que chérie. He said, honey. Je n'étais pas appelé pour rien. I didn't call you for nothing. Mais j'étais appelé. But I called you. Parce que je suis devant ta maison. Because I'm in front of your house. Je ne peux pas rentrer. I cannot go back. Sans te voir. Without seeing you. Je ne peux pas rentrer. I cannot come sans in. Sans te demander without pardon. Without asking you forgiveness. La femme est allée à la maison. The woman went to the house. Elle a trouvé le mari. She found the husband. Il était assis. He was sitting. Et il attendait son he was femme. Waiting for her wife. Le mari a dit. The husband said. Depuis que j'étais perdu, je suis parti. Since I went. Tu vivais avec quoi? Where will, how will et you live? Jésus s'est occupé de moi. That Jesus took care of me. À partir d'aujourd'hui, said from today, mon salaire est ton salaire. My income and your income. À 23 heures. At 23 il a pris in the la night. Femme. He took the woman. Ils sont partis. They went. Là où il y avait la banque. Where there was the elle bank. Elle a mis la carte. He put the à 23 heures. At 23. Pour donner l'argent à la femme. To give the money to je the dis woman. À quelqu'un aujourd'hui. I said to somebody tu ne vois pas le lendemain. You don't see tomorrow. Ça rapporte ton miracle. You're not encountering your miracle. Je parle à la vie de I'm quelqu'un. Talking to the life of somebody. Quelle que soit la personne qui t'a abandonné, quelle que soit la personne qui t'a laissé tomber, quelle que soit la personne qui t'a oublié, aujourd'hui, aujourd'hui, la personne la court vers toi, la personne la court vers toi, je déclare que ton miracle apparaît. Le miracle est bien. Il y
a une femme ici. There is a woman here. Tu étais abandonné avec tes quatre enfants. You were abandoned with your four children. L'homme là ne t'avait pas encore épousé. That man didn't get married to you. Mais vous étiez en concubinage. But you were living together. L'homme là n'est pas parti pour rien. He didn't went for nothing. L'homme là est parti parce que cet homme a un mari, a une femme spirituelle. He went because he has a spiritual wife. Qui est sa propre mère. That is his own mom. Je dois prier pour toi. I have to pray for you. Quatre enfants. Four children. Concubinage. You were living together. Avec un homme qui est parti. With a man that abandoned you. Come forward. Brise la honte. Break the shame. Et le Seigneur va te libérer. And the Lord will set you free. Aujourd'hui, from today, ton héritage est restauré. Your inheritance is restored. Je vois même comment on voulait même que tu meurs. They wanted you to die. La maladie que tu as traversée. The sickness you went through. Sortait de ta propre famille. Were coming from your own family. Un matin, a morning, tu t'es levé. You got up. Et tu as trouvé une eau. You found the water. On est venu verser devant ta porte. They came to throw in front of et the door. Cette eau était composée des herbes. That water we had was mixed with herb. Qui a vu là où une femme a lavé les habits? Who has already seen when a woman has washed clothes? When she finished. Une façon de verser l'eau. There is a way of throwing water. Vous avez vu ça, non? Have you already seen that? Voilà. Et c'est exactement ce que tu as vu. This is exactly what you saw. Et tu as négligé. And you neglected. Tu es parti vaquer à tes occupations. You went to your occupation. Oh. But l'ennemi a dit, the enemy says remède, to that medicine, seulement, if this woman only sees, elle meurt. She dies. Hein? Tu te retrouves dans ce que tu me retrouves. C'était au mois d'août. Vois le mois d'août. During the month of August. 2013. August 2013. Après ça, j'étais malade jusqu'à que j'ai fait 3 mois à l'hôpital. Après ça, tu étais même malade. Je vois août 2013. I see August 2013, they throw waters with mixed herbs. Août August 2013. C'est là où on a versé. That's why they throw that water. Et tu as vu. And you saw. Après ton corps a fait. C'était after, comme le courant électrique. It was electric. Qui sait, c'est like electricity. C'était le début de ta maladie. Je commande maintenant. I command now. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je sers. Of Nazareth that I serve, à cette empreinte de l'ennemi dans ta vie. To that print of the enemy in your life. To leave you. De te quitter. To leave you. De te quitter. To leave you. De te quitter. To leave you. Où est la femme en question? Where is the woman I was talking about? I would like to pray for her. Pas prier pour toi par derrière. I will not pray for you je behind. Prier pour toi ici en I have to pray for you here publicly. Parce que ton miracle doit arriver ici. Because a miracle must happen here. Place-toi comme ça. Stand like this. Voilà, voilà. C'est ça, c'est ça. That's it. Voilà, voilà. L'esprit. The spirit. Vous voyez l'esprit. You see the spirit. Voilà, voilà. C'est comme ça l'onction. That's anointing. Sort. Come out. Hey. 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 Je te réprimande dans son corps. I rebuke you in her body. Come out. Hey. 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 Sort. Come out. C'est ça, c'est ça. That's it. C'est pas le jeu. This is not a joke. C'est la puissance. That's power. Regardez ce qui se passe. See what is happening. Le village s'est levé. The village got up. Le village s'est levé. The village stood up. On a amené le problème chez le chef de village. They brought a problem to the chief of the village. Son chef de village était aussi sorcier. The chief of the village, being a sorcerer, a donné raison à ses frères. Gave reason to her brothers. Et on a dit qu'elle ne mérite pas. And they said she doesn't deserve. Tout à l'heure, vous allez voir. In a while, you're going to see. Mon fils. My son. Tu connais les esprits qui sont en train de parler là? Do you know the spirit that are talking? Tu arrêtes comme ça, il faut faire attention. When quand you vois moi, her like prophète, this. When you see I, je the prophet. Je suis à distance comme ça. I'm standing afar. C'est qu'il y a les esprits de tout un village. There are spirits of a whole village. C'est fini. It is over. Ta délivrance est totale. Your deliverance is total. Ce fiancé qui est le père de tes enfants. That fiancé that is the father of your children. Est possédé par sa mère. He's possessed by his mom. Il a besoin de prières. He needs prayers. Il est où? Where is he? Tu ne connais pas là où il est. Il est dans la nature, dans la ville. Cet homme a besoin de prières. That man needs prayers. Il faut lui dire que l'orgueil ne sert à rien. Tell him pride. Mais les couches de nothing. Voit toutes les nuits là. But the night in Texas is he has every night with all mom. He needs prayers, deliverance. If not, his life will keep on turning in cycles and his businesses. Ce qu'on appelle l'esprit de prison. I also see the spirit of prison pushing that man. Esprit de prison. The spirit of prison. Il a besoin de prière. He needs prayers. Toute personne. Every person qu'on a amené en justice ici. That they brought to the court. Pendant que je prie aujourd'hui. While I'm praying today. Je déclare ta libération. I declare your liberation.
de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Sois Christ. Libéré. Be free. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un ici. There is somebody here. Tu as le nom de ta mère. You have the name of your mom. Tu as le nom de ta mère. You have the same name with your mom. Il y a un fort esprit de célibat dans ta vie. There is a strong spirit of singleness in your life. You are unable to get married. Avance ici devant. Come forward. Le nom de ta mère. The mom of your mom. De ce côté. From this side. Avance ici rapidement. Come forward. Je n'ai pas de temps à perdre. I don't have time to waste. Et je vais prendre rapidement. Il y a I'm speedily going to take. We have one testimony. Qui est venu avec son témoignage? Who have come with his testimony this morning? Testimonies. Témoignage. Testimonies. Tu es venu ce matin avec ton you témoignage. You have come this morning with your testimony. Oh Jesus. Oh Jésus. Avance rapidement. Come forward speedily. Avance rapidement. Ma fille vient témoigner déjà. My daughter come and testify. Tu as ton témoignage. You also have your testimony. Il y a une parole qui s'est accomplie dans ta There vie. There is a word that was fulfilled in your life. Tu dois témoigner aujourd'hui. You have to testify today. Avance ici devant. Come forward. Avance. Il y a des gens qui ont souvent honte de témoigner. There are people who are ashamed to testify publicly. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Don't be ashamed, don't be afraid. Hallelujah. Hallelujah. Viens témoigner. Come and testify. Viens témoigner. Ma fille, toi aussi tu as le témoignage? Viens témoigner. Hallelujah. Toi aussi tu as le témoignage? Viens témoigner. Ma fille, il est libéré. Au nom de Jésus-Christ. Sa vie est libérée. Dans ma jeunesse, quand j'étais encore petite. Au nom de Jésus-Christ. Donnez le micro des témoignages. Il y a un micro spécifique pour les témoignages. Avoir deux enfants, deux filles. Va ce qui fait que ma dernière fille, elle a 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans, donc, j'ai raté les fiancés, les maris, parce que j'avais dit s'il faut que je conçois, il va falloir que ce soit dans le mariage. Mais cependant, cela n'a pas été. J'ai raté les maris, j'ai raté les fiancés. Et entre-temps, il y a de cela, je crois, deux ans, un an et demi, j'étais enceinte, j'ai fait une fausse couche. Cette grossesse est sortie tout seule. Alors j'ai dit, peut-être ce n'était pas le plan de c'était pas dans le plan de Dieu, le monsieur en question même, il n'est plus là en ce moment-là. Ma fille, laisse ta mère, elle va s'élever d'elle-même. Ce qui fait que j'ai fait la connaissance du père de cet enfant. Va t'asseoir. Tu es béni. Il est dans la salle. Alors quand j'ai conçu, les gens ont dit, je vais mourir. Voilà. Sur la table d'accouchement, soit mon enfant, soit moi-même. J'ai dit, mais pourquoi ça? Je n'étais même pas sûre. Chaque fois que je venais ici pour que le pasteur prie sur moi, il m'a dit non, n'aie peur de rien, ma fille, tu vas accoucher. Et beaucoup d'hommes de Dieu dans cette salle m'ont dit que je vais accoucher dans les meilleures conditions. Mais j'avais toujours peur, j'avais la crainte en moi. Je me disais, mais est-ce que je vais vraiment accoucher? Est-ce que je vais vivre? Dieu merci. Le 23, il y a de cela trois semaines, la poche des os s'est éclatée. Mon mari, nous sommes rendus à l'hôpital. Déjà, je ne ressentais aucune douleur, pas de douleur, rien. Jusqu'au petit matin, le 24 matin, je ne ressentais toujours rien. Le 24 à midi, le major dit, puisque la poche d'os s'est éclatée, il faut qu'on administre une perfusion pour que le travail soit accentué. On me place dans la perfusion. On me fait coucher sur la table d'accouchement. Je ne ressentais toujours rien. Une heure de temps après, j'ai senti comment. Je sentais déjà les douleurs. Ça n'allait vraiment pas. Chers frères et sœurs, si je vous dis que j'ai eu à pousser comme certaines femmes couchent, comme certaines femmes, on leur demande de pousser pour pouvoir sortir leur bébé, je ne l'ai pas fait. Le major m'a fait le toucher, il a dit, ce n'est pas là maintenant que je devais accoucher, que je devais plutôt accoucher au petit matin. À cet instant-là, j'étais vraiment désespérée. J'ai dit, Seigneur, agis. Il faut que j'accouche comme une femme hébreuse. Déjà, pendant que je priais, j'étais en prière. Je ne sais pas comment. J'avais besoin de faire l'essai d'aller aux toilettes. Je ne sais pas comment j'ai fait pour que la tête de l'enfant puisse se retrouver entre eux. Mais j'ai commencé à crier. Je ressens la tête. Le majeur était, je ne sais où. Il a fallu que c'est quelqu'un dans la salle qui vienne tenir l'enfant. J'étais vraiment dépassée. Je vais rendre grâce à Dieu. Le 24, donc, à 16h, j'ai accouché un beau garçon. Est-ce que tu peux acclamer pour le miracle d'une autre personne? Quelqu'un dit un bon Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. C'est que tu n'arrives pas à bien comprendre parce qu'elle parle aussi avec beaucoup d'émotion. Quelqu'un dit un bon Amen. C'était un jour ici, elle était là.
Et je l'ai appelé. Parce qu'on avait dit des choses. Et j'ai vu des choses qu'on a dit à l'hôpital contre elle. J'ai dit que voilà ce qu'on a dit à l'hôpital contre ton accouchement. On a dit que tu ne peux pas faire telle chose. Elle a reconnu et j'ai prié et je lui ai dit, tu accouches comme les femmes des Hébreux. You give birth as the women of Israel. Et ça c'est la femme de, la parole d'un prophète. That's the word of a prophet. Elle accouche avant l'arrivée de la sage-femme. She gives birth before the coming of the woman. Voilà ce qui bénit mon âme. That word blessed my soul. Quand elle a accouché, when she gave birth, il n'y avait aucune sage femme. There was no nurse. The head. Tu ne sais pas là où elles étaient toutes parties. You don't know where all of them went. Mais une femme de nulle part. But a woman from nowhere. Elle est venue arrêter le bébé. Came and held the baby. C'est pour cette raison. That's why. Si un prophète te dit, if a prophet tells you, que subitement tu viens de devenir garçon, suddenly you have just become a man, a boy. Même si tu ressens encore les seins ici, even if you still feel breasts here, c'est en haut qu'il y a les seins. It is up that there are breasts. Mais en bas c'est déjà garçon. But down it has already become male. Si je te dis que tu accouches avant l'arrivée des sages-femmes, if I tell you give birth before the coming même of si the nurses, even if you are in the hospital, Dieu va les envoyer tous pour aller faire. God will send them somewhere to go and ease themselves. Pour que tu restes accouché. For you to remain giving birth. J'ai envie de dire à quelqu'un. I would like to tell to somebody today. Ta prophétie s'accomplit aujourd'hui. Your prophecy is fulfilled today. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. I pray for all pregnant women. Là dans la salle. In the hall. Même si tu connais, même si tu ne connais pas. Even if you know, even if you don't. Même si c'est un jour. Even if it is only one day. Hein? Il y a d'autres personnes qui sont enceintes mais ne connaissent même pas. There are others that are pregnant, I don't know. Parce que ça a eu lieu ce matin. Because it happened this morning. Je prie pour toutes femmes. I pray for all women. Enceinte. Pregnant women. Accouche en brande et tout tout tout. Zekete imazobra ya. Abarete torobo bobo ya. Pendant que je prie aujourd'hui. While I'm praying today. Tu accouches ton bébé avant l'arrivée des sages-femmes. You give birth to your baby before the coming of the nurses. Et l'histoire que ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. And the story that it hurts. Quand tu vas ouvrir tes yeux, tu vas te rendre compte que tu portes à ton bébé. You are carrying your baby. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Receive your miracle in the name of Jesus. Et il y a un phénomène que j'arrête dans les hôpitaux. There is a phenomenon I stop in hospitals. On m'a même dit que ça donne beaucoup d'argent. They told me it give a lot of money. Césarienne. On a attendu longtemps, hein. We wait for a long time. Couteau. Knife, they cut. Quelle que soit la femme ici, no matter the woman même in the hall, enfants, even your kids, pas de césarienne dans ta vie, no cutting in your life. Si tu dis un bon amen, je parle bien. If you say good amen, I speak well. Ne dis pas de césarienne I dans ta vie. Césarienne in your life. La Bible dit que le temps qu'Elisabeth devait accoucher arriva. The Bible said the time of giving birth of Elizabeth came and Elizabeth gave birth. Quand ton temps arrive, tu accouches. When your time comes, you give birth. Quelqu'un dit un bon amen. Somebody says a good amen. Un beau bébé garçon. A beautiful handsome boy baby. On t'appelait déjà femme stérile. They call you like barren. La femme qui accouche, la femme qui a des choses bizarres. The woman that has strange things. Toi, tu voulais d'abord te marier avec un autre mari alors que ton vrai mari arrive. Why did you want to get married to another husband? Et son mari est là. And her husband is there. Est-ce que tu sais que quand ce n'est pas ta part, Dieu va tout faire pour que le monde sache que ce n'est pas ta part? Do you know when it is not yours? C'est pour cette raison l'homme qui t'a abandonné là. That's why the man that abandoned you. He doesn't deserve you. Je dis il ne te mérite pas. He doesn't deserve you. Il ne te mérite pas. He doesn't deserve you. L'homme que tu mérites apparaît. The man that you deserve appears. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. You are blessed in the name of Jesus. Amen. Tu vas encore un autre enfant après? You want to have another baby after? Tu veux encore un autre enfant après? Do you want another baby after? Tu veux encore? Reçois encore. Receive again. Tu veux encore? Do you want? Hein? Do you want again? Reçois encore. Receive again. Tu veux encore? Ça fait à deux, hein? Si tu veux encore, moi j'ai pas de problème, je suis prophète. I don't have problem, I'm a prophet. La femme veut encore. Reçois encore. Receive again. Si tu veux encore, moi je. Moi quoi? Tu veux encore?
Avant de dire oui, elle regardait d'abord son mari. Before saying yes, she looked at her husband. Non, ça va, ça va. C'est comme si le mari ne veut plus. Maybe the husband doesn't want. Le mari veut encore. The husband wants again. Reçoit encore. Receive again. Je prie pour quelqu'un ici. I pray for somebody here. Quelle que soit la personne. No matter the person. Viens ma fille. Come my daughter. Tu as fait 15 ans sans avoir le bébé. You spent 15 years without a baby. Stand here. Place-toi ici devant. Stand in front. Montez là. Monte. Come up. Monte. Monte encore. Monte. Monte. Reste là. Remain there. Je prie pour quelqu'un. I pray for somebody. Toute personne. Every person. Qui a fait 15 ans. That spent 15 years. Un bébé. Looking for a baby. Pendant que je me connecte à ma fille. While I'm connecting myself to my daughter. Je déclare que le miracle a voit le jour. I declare the miracle sees the day. Le même Dieu. The same God. Qui a donné un bébé à cette femme. That gave a baby to this après 15 ans de stérilité. After 15 years of barrenness. Ce même Dieu te donne ton bébé maintenant. Baby now. Reçois ton Receive bébé. Receive your baby. Les femmes qui ont entendu les bébés. Women that wait for babies. Pendant longtemps. For a long time. Recevez les bébés. Receive babies. 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 Si tu vois une femme qui ne se connaît pas, c'est qu'elle ne veut pas le bébé. If you see a woman without being connected, she doesn't want a baby. As simple as a greeting. Va t'asseoir, tu es béni. But have your seat, you are blessed. Hallelujah. Hallelujah. Le Seigneur est magnifique. The Lord is wonderful. Le Seigneur est fidèle. The Lord is faithful. Le Seigneur est fidèle. The Lord is faithful. Le Seigneur est fidèle. The Lord is faithful. Hallelujah. Hallelujah. Je prends un autre témoignage. I take another testimony speedily. Ma fille sait qu'elle a le témoignage. My daughter has a testimony. Hallelujah. Je peux dire bonjour. Cette femme 15 ans. This woman 15 years without a baby. En fait, elle vient témoigner pour le. Maman, tu veux le bébé? Le merveille que When? Le Seigneur accorde. Attends un peu, hey, tu veux le bébé quand? When do you want that baby? Tu vas accoucher quand? When do you want to give birth? Tu vas accoucher quand? When do you want to give birth? Maintenant. Tu as la personne qui met le bébé à la maison, non? Hein? Tu es marié. You are married. On se voit toi et moi. We see each dans other. Dans 9 mois. In 9 months. Pour venir présenter. To come and le present. Le bébé après accouchement. The baby after giving birth. Where is your mother-in-law? Où est ta belle-mère? Au village. In the village. Je vois belle-mère. I see mother-in-law. Un problème avec ton mari. A problem with your husband. Belle-mère. Mother-in-law. Un problème avec ton mari. A problem with your husband. Concernant votre union. About your marriage. Même pas parce que je n'ai depuis que je suis mariée, je n'ai pas encore fait d'enfant. Avant même l'histoire d'enfant. Before the matter of babies. Ton mariage a d'abord eu des problèmes. Your marriage had problems. On a d'abord fait 2 ans sans enfant. Elle a dit que pourquoi son fils m'épouse. Donc ta belle-mère voulait d'abord qu'on mette l'enfant. So your mother-in-law wanted you to have a baby before getting married. Ne pleure plus ma fille. Don't cry my daughter. No more. Don't try. Dieu a écouté la voix de tes larmes. God heard the voice of your tears. Ton mari est où? Where's your husband? Ok. Dis à ton mari. Tell to your husband. Que le prophète. That the prophet. A demandé qu'il s'applique bien au travail. I said, ask him to apply very well to the work. Que c'est l'instruction du prophète. That's the instruction of the prophet. Qu'il s'applique bien au travail. Let him apply very well to the job. J'ai beaucoup travaillé dans la journée là. The matter that he worked too much in the day. Let him put it aside. Let him apply very well. Because in 9 months, at the answering hour, that man will be presenting her baby. Let me shock you now. I don't want you to go and get in trouble after. Pendant que je voulais prier. What I wanted to pray, parti. I will let you go. Dieu m'a montré une histoire qui est dans mon village. God showed me a matter in my village. Une femme, a woman, avec son mari, with her husband. Ils ont accouché, je crois. They gave birth. 7 or 8 garçons. 7 or 8 boys. Sur les 7 or 8 garçons. Above these 7 or 8 boys, aucun ne fait les bébés. None of them is giving birth. C'est la propre maman. It is the own mom qui a avalé. That swallow up. Les bébés de ses enfants. The babies of her own children.
Et j'ai vu cette histoire. And I saw that story. Because the Lord is telling me. Partez dans tous les hôpitaux du monde. Go in all hospitals in the world. On ne va pas te dire dans un hôpital quelqu'un que tu as un problème. They will not tell you in any hospital that you have a problem. Tout. Everywhere. Hein? J'ai déjà marché. On t'a dit quelque. Non. Mais pourquoi le bébé ne vient pas? Why don't the baby come? On a pris la semence du mari. They took the seed of the husband. On a rendu la semence du mari en eau. They transformed it in water. C'est l'eau. It is water, water. Je prends la semence qui vient de moi. I take the seed coming from me. Et qui donne les enfants. And that gives babies. Pendant que je prie, while I'm praying, la même grâce que Dieu m'a donnée. The same grace God gave to me. Dieu donne la même grâce à ton mari. God give the same grace to your husband. Quelqu'un dit moi. Somebody says a good amen. Tout va bien. Everything is all right. Tout va bien. Everything is all right. Oh, bien, you come. Dans la nuit. In the night, je vois un hibou atterrir dans ta vie. I see a bird landing in your life. Hibou. Hibou. Tu as fait beaucoup de rêves. You had many dreams. Où tu voyais l'hibou. While you were seeing that bird. Et quand tu dors dans une maison. And when you sleep in a house. Hibou vient parler dans la maison. That bird come and speak in the house. Il y a un esprit qui te poursuit. On appelle ça esprit d'hibou. There is a spirit that pursues you. C'est pour manipuler et détruire ta vie. It's to manipulate and destroy your life. C'est pour cette raison ta vie est manipulée, manipulée. That's why your life is manipulated, manipulated, manipulated. Mais aujourd'hui. But today. Push. Sort. Come out. Et libère au nom de Jésus-Christ. And loose in the name of Jesus. Je parle à ta vie. I'm talking to your life. Et je demande à ce démon. And I ask to that demon. Quitte son corps. Leave her body. Marie Agnès. Marie Agnès. C'est qui? Who is it? Who is it? Who is it? Attends, Marie Agnès. I hear Marie Agnès. C'est qui? Who is she? Qui connaît Marie Agnès? Who knows Marie Agnès? C'est qui? Who is it? Hein? T'as ménagé? Ma fille, don't you aller ménager? Hein? My housewife. Marie Agnès. Marie Agnès. Viens, je vais prier pour toi. Come, I'm going to pray for you. Marie Agnès. Marie Agnès. Elle a besoin de prière. She needs prayers. Tout va bien. Everything is all right. Viens donner ton témoignage rapidement. Come and give your testimony speedily. On a fini. We have closed. Je voulais juste témoigner pour les merveilles que le Seigneur fait dans la vie de mon mari. En fait, il a eu des problèmes avec son collègue, un camarade. Uh-huh. Ils se sont querellés. Oui. C'est lui qui était le premier à insulter mon mari, qu'il est impuissant. Hé! Hey! Ça, c'est fort. Quand mon mari lui dit, est-ce que tu es une femme pour me juger que je suis impuissant? Ils sont bien se quereller. Il a amené mon mari en prison. Uh-huh. Il a fait presque 12 jours en cellule. On les a d'abord transférés au parquet. Arrivé là-bas au parquet, on les a encore transférés. On les a dit qu'on les ramène à la cellule. Que le dossier est incomplet. Il faut que les témoins de mon mari viennent témoigner. Je pars alors au commissariat pour voir l'enquêteur de mon mari. On arrive là où il y a les témoins de mon mari. Le plaignant, il a menacé les témoins que s'il voit une d'eux aller témoigner, il va quitter. Donc, il aura affaire avec lui. Ils ne sont pas partis témoigner. Lundi alors, quand on les a encore transférés, le matin, je suis avec ma belle-mère, je croise le plaignant. Il dit que je sors dans le bureau du procureur comme ça. Lui, il a dit que ton mari va descendre à Kondengi. On colla 6 mois avant qu'on va d'abord régler son problème. Il lui dit, allons, nous tous, on peut voir le procureur. Il dit, ah, moi, je suis pressé, je pars. Il dit, ah, je pose, là, je me tiens, je prends la face de mon père, je mets ça sur moi. Je vais entrer dans le bureau du procureur, même si je suis petite. Je suis arrivé, le procureur m'a reçu et que mon mari est enfermé, c'est, je veux rentrer avec lui. Il dit, où est le plaignant? Il dit qu'il est à rentrer, il dit, va l'appeler. Je cours, je l'appelle, il raccroche au téléphone. Je parcours partout le parquet, je le vois que le procureur t'appelle. On parle. Dès qu'on arrive, il ne sait même pas comment je suis vêtu. Il commence à parler au procureur. Qu'il était seul le matin, mais il n'a pas vu le procureur. Mais il dit, mais tu m'as dit que tu as vu le procureur, mais... Alors, grand surprise, tu dis que le procureur n'est même pas reçu. On appelle dans mon mari, on vient dans mon mari, le procureur demande qu'est-ce qui s'est passé. Quand mon mari fait
dit ce qui s'est passé. Il dit, ah, je ne veux même plus l'arrangement. Si il ne me pose pas 500 000, il n'y a pas l'arrangement. Il est sorti. On est resté là. Le procureur a dit que, ah, allez arranger avec le procureur. Moi, il dit que je ne coupe plus derrière le plaignant. Dieu va agir à ma faveur. Je suis resté. Il y a un homme du parquet là-bas, il vient me voir que ma fille s'est commis. Il dit qu'il y a mon mari. C'est là, il dit qu'attends. Il est parti chercher le dossier de mon mari. Il vient me montrer. Il me dit que va le dossier de ton mari. Cherche seulement 5 000 pour payer la caution. Tu rentres avec ton mari aujourd'hui là. En retard, j'avais seulement 40 000 à moi. Sa tante est arrivée, la tante m'a encore donné 10 000, ça fait 50 000. Je suis allée chez sa maman m'a donné 50 000. J'ai dit que, ok, merci. Je suis restée là, restée 18 heures. Elle me demande d'aller payer la caution, j'ai payé. Je suis restée là, 18 heures. Mon mari est venu me retrouver, et gloire à Dieu. Merci, mais avec que je suis là, compris. Quelqu'un dit moi, amen. Somebody says a good amen. Moi, je ne suis pas satisfait de la façon qu'elle témoigne. I'm not satisfied with the way she's testifying. Moi, je ne suis pas satisfait de ça. I'm not satisfied. Et j'ai un problème avec ça. And I have a problem with that. Et je vais rectifier ça. And I'm just going to correct it. You see? Quand on vient voir l'homme de Dieu. When they come and see the man of God. Que Dieu fasse quelque chose. For God to do something. Il faut être en mesure de le mentionner haut et très haut. You have to be able to mention it highly. C'est ça que tu dis que tu allais voir tel, tu allais voir. This is gossiping. You say we went to see this and that one. Tu m'as arrêté le pantalon ici là. You hold my trousers here. Mon mari est en prison en train de le déférer. My husband is in jail. They are sending him. Amen. Pas une fois, pas deux fois. Mais not once, not twice, not three times. Les histoires que tu allais voir tel qu'il était. No. Now you come and testify. The matter you went to see this guy and another one. No. Tu m'as monté. Tu m'as dit qu'aujourd'hui mon mari doit descendre à Kondé-Guinée. You said today my husband has to be transferred to Kondé-Guinée. What have I said? Ton mari ne descend pas. On le libère. I said he will not go. They lose him. What shocked me? C'est que son mari témoigne mieux. De ce problème qu'elle-même. Is that her husband testified in a better way? Semaine, je reçois, monsieur. In the week I receive a man. Talk, talk, talk. Talk, talk, talk. Il dit que prophète. C'est un prophète. Je suis venu te dire merci. I've come to thank you. Parce que j'ai vu l'action de vos prières. Because I've seen the action of your prayers. Je descendais en prison. I was going to jail. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. But I don't know what happened. La seule chose c'est qu'on est venu me dire que tu as prié comme ça, comme ça, comme ça. And they told me you prayed like this, like that. Quand tu arrives là après moi. You come. Dis ce que Dieu a fait dans ta vie. Say what God has done in your life. Le nombre de fois que tu venais avec sa photo. The number of times you came with his pic. Pour qu'on prie pour lui. For him to receive prayers. Pendant que tu parles comme ça, d'autres personnes qui sont venues avec la photo. While you are talking like this, other people that came with their pic, they have hope that God can act on their behalf. Tu venais souvent avec la photo. Que c'est lui. You came with a pic. Naïf. And I prayed. I pray for somebody today. Let not the prophet get. Quand le prophète s'énerve, ce n'est pas bien. If the prophet gets je prie pour quelqu'un aujourd'hui. I pray for somebody. Personne ne sera en mesure de discuter ton témoignage. Nobody shall be able to hide your testimony. Ton témoignage est authentique. The testimony is authentic. Dieu l'accomplit aujourd'hui. God fulfilled today. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Receive your miracle in the name of Jesus. Je vais prier pour Marie Agnès que j'ai dit. I'm going to pray for Marie Agnès. Cette femme. That woman. Est malade. She's sick. Je vois une maladie au niveau de la gorge. I see a sickness at the level of the throat. Une maladie comme ça. A sickness. Marie Agnès. Marie Agnès. La femme que je vais prier. The woman I'm going to pray for. Marie Agnès. Marie Agnès. Ta Marie Agnès est malade. Your Marie Agnès is she's sick. Elle est où? Where is she? Et tu as le cancer, tu restes à la maison. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a deux choses. Hein. There are two things. Quand tu as une maladie comme le cancer. When you have a sickness like cancer. Ou tu viens rester à l'église pour either que Dieu you come agisse to stay faveur, in the church for God to act on your behalf. Tu vas rester à l'hôpital. Or you want to stay in the hospital. Parce que c'est une maladie qui grandit. Because the sickness that grows. La seule personne qui est capable d'arrêter la maladie. The only person able to stop that sickness. Doctors mais les médecins ont dit que c'est une maladie incurable. But the doctor said it donc, is. Donc il n'y a que Dieu. A sickness they can't heal. Only God. Je veux une bouteille d'eau. I need a bottle of water. Pendant que tu vas toucher ton ta voisine. While you go and touch your neighbor. Je déclare que la maladie disparaît. I declare that sickness leave. Tu vas seulement la saluer. You will only greet her. Voisine, je suis venu te saluer. He said, neighbor, I came to greet you. Dès que tu vas la saluer. As soon as she will greet her. L'onction de Dieu va descendre dans sa vie. The anointing of God will come down in her life.
Quelqu'un dit un bon amen. Somebody says a good amen. Quelqu'un dit un bon amen. Somebody says a good amen. Est-ce qu'il y a encore notre témoignage? Is there another testimony? J'ai prié pour tout le monde. Have I prayed for everybody? Hein? La femme qui portait le nom de sa mère. La femme est où? Where is that woman? Et depuis que j'ai dit ça, ma femme. Ah, il y avait les gens devant. Ok, place toi là. Le nom de ta mère. The name of your mom. Attends, il faut que le Seigneur me réactive maintenant, tu vois. The Lord has to reactivate me. Parce que maintenant, il faut la réactivation. Quelqu'un dit un bon amen. Somebody says a good amen. Oh Dieu! Say, oh Lord! Je reçois mon témoignage. I receive my testimony. Et je sors d'ici ce matin avec le and témoignage. And I come out from this place with my testimony. Je sors d'ici avec mon témoignage. I'm coming out from this place with my testimony. Je vais prier pour 21 personnes. I'm going to pray for 21 people. Ma prière est simple. My prayer is simple. Une bonne nouvelle. A good news. Et je vous donne 3 jours. And I give you 3 days. 3 jours. 3 days. Pendant les 3 jours. During these 3 days. Tu reçois ta bonne nouvelle. You receive your good news. 21 personnes. 21 people. 21 personnes. 21 people. Une seule chose. Only one thing. Une bonne nouvelle. A good news. Je parlais hier ici à l'église. I was talking yesterday here in que the church. Que la femme qu'on appelait Marie. That the woman they call Mary. Elle est venue casser un parfum d'albâtre. She came and brought an alabaster on the feet of Jesus. Sur les pieds de Jésus. On the feet of Jesus. Et cette femme. And that woman. Cette femme. That woman a reçu une seule bonne nouvelle. Receive one good news. Femme, woman, tes péchés te sont pardonnés. Your sin have been forgiven. Et l'histoire de cette femme and the story of that woman a changé. Changed jusqu'à ce jour. Till today. Il y a 21 personnes. There are 21 people here. Que Dieu a déjà préparé. That God has already prepared. Une bonne nouvelle. For a good news. Qui change leur vie pour toujours. That change their life forever. Je vois le même célibat. I see the same singleness that pursued your mom, pushing you in your home. Les mêmes problèmes que ta mère a eu avec les hommes. The same trouble your mom went through with men. You are seeing the same troubles in your own house. Je vois un homme qu'on appelle Bella, Bel, dans ta famille. Hein? B-E-L. Parce que j'ai vu le nom de ma mère. I saw the name of my mom. B-E-L-L-A. Tu connais le nom de ta famille? Do you know that name in your family? Who is it? Et regarde donc tous les gens qui ont le nom là. Look at all those who have that name. Ils sont dans le même problème que toi aujourd'hui. They are in the same problem where you are. La puissance de Dieu dans la vie de cette femme. The power of God is in the life of that woman. C'est comment? How is it? Tu es aussi Bella. Hey. Dieu t'a visité, viens un peu. God has visited you, come. C'est le nom de ma mère. That's the name of my mom. Place ici. Stand here. Tu vas recevoir une grâce spéciale. You're going to receive a special grace. B-E-L-L-A. B-E-L-L-A. Venez, venez. Come. B-E-L-L-A. B-E-L-L-A. Une grâce spéciale. A special grace. Oh. La mère du prophète. The mother of the prophet. Ah ah, placez-vous là-bas. Stand there. Hey. Ah, c'est l'histoire est sérieuse. Oh. That matter is serious. Oh. La mère du prophète. The mother of the prophet. Ah ah ah. Boom. Jesus. Jésus. À partir d'aujourd'hui, from today, ton histoire change. Your story change. À partir d'aujourd'hui, from today, je libère dans vos vies. I release in your life une grâce spéciale. A special grace. 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 À cause d'un seul fils. Because of one son. À cause d'un seul fils. Because of one son. Ma mère est respectée. My mom remains. J'ai envie de parler à quelqu'un aujourd'hui. I want to talk to somebody à cause today. De ce qui est sorti de tes entrailles. Because of what came on out of te your respecter. They will respect on you. Va t'honorer. They will honor on va you. Te célébrer. They will celebrate you. Reçois l'esprit d'honneur. Receive the spirit of honor. Reçois l'esprit d'honneur. Receive the spirit of honor. Reçois l'esprit de gloire. Receive the spirit of glory. Oh Lord. À partir d'aujourd'hui. From today. Une grâce spéciale. A special grace. Allez dans la victoire. Go in victory. J'ai
Elle dit que je prie rapidement pour 21 personnes. I said I speedily pray for 21 people. Et on se sépare. And we close. On se sépare. And we close. Cette femme, that woman, est venue casser le parfum d'Abat. Came and she broke an alabaster flat on the feet of Jesus. Je veux 21 personnes rapidement. I want 21 people speedily. You come and take the CD. Le prophète s'assoit. The prophet sat. You come and take the CD. 21 personnes. 21 people. Enlevez-moi ceci. Remove me this. Une bonne nouvelle. A good news. Une bonne nouvelle. A good news. Une bonne nouvelle. A good news. Dans 3 jours. In 3 days. Une bonne nouvelle. Je vais rapidement 21 personnes. I speedily need. Prends rapidement. Run quickly. Prends rapidement 3000 francs. Tu viens prendre ton CD. Speedily take 3000. Come and take your. That's a connection. C'est une connexion. That's a connection. Cours rapidement. Run speedily. Si tu ne fais pas vite. If you don't. La grâce et la richesse t'est dépassée. That grace could. Risque t'est traversée. Pass je veux rapidement 21 personnes. I speedily want 21 people. À 21 personnes, vous me dites, je commence la prière. Osharu gahi branda yakus kata branda yakus kata. Seigneur, tu m'as dit 21 personnes. Tu m'as dit une bonne nouvelle. You told me a good news. Que ces gens ont besoin d'une bonne nouvelle. These people need a good news. Je veux rapidement les 21 personnes. I speedily need that 21 people. Quelqu'un va recevoir une bonne nouvelle dans son lieu de service. Somebody is going to receive a good news in the job site. Une bonne nouvelle dans son travail. A good news in his job. Une bonne nouvelle dans ses affaires. A good news in his business. Une bonne nouvelle dans sa famille. A good news in his family. Une bonne nouvelle pour sa destinée. A good news for his destiny. Où sont rapidement ces gens? Where are they speedily? Avance rapidement. Come forward speedily. Je casse le vase pour mon roi. I break the vase for je my le fais king. Pas pour un homme. I don't do it for mais man. Je le fais pour le roi. But I do it for c'est the le king. Roi qui me donne la bonne nouvelle aujourd'hui. This is the king that gave me the good news approchez today. Come closer by this side. 21 personnes. Avancez rapidement. Ne résistez pas. Ne fais pas. Don't pas resist. Come forward speedily. J'ai envie de transmettre quelque chose de fort qui est descendu dans ma vie. I would like to transfer something strong that came in my life. Fils de l'homme. God told me, son of man. Every person. Que tu déclares prospère. That you declare prosperous. Is prosperous. Toute personne. Every person. Que tu déclares riche. That you declare rich. Est riche. Is rich. Une femme est venue me voir. A woman came. Elle m'a montré ça. C'est même l'histoire de ma maman si. It is even the story of my le mom. Le Seigneur m'a mis ton témoignage. The Lord showed me your testimony. Elle m'a montré sa lettre de demande d'explication. She showed me the letter of explanation. La lettre de demande d'explication. The letter of explanation. Je lui ai dit. I told her. Tu te rappelles de ce témoignage? Do you remember that testimony? Je lui ai dit. I told her. Femme. Woman. Reçois une bonne nouvelle de promotion. Receive a good news of promotion. Elle est restée comme ça. She remained like this. Elle m'a dit que moi je viens voir le prophète. She said, I've come to see the prophet. Je viens voir le prophète. I come to see the prophet. Voilà la maman. Viens témoigner toi. Mommy, come and testify. When I talk like this. C'est elle ici. She's the one. Tu es venu me montrer la lettre de demande d'explication. You came to show me the letter of explanation. Et j'ai dit quoi? And what have I said? Donne-lui le micro. Qu'est-ce que j'ai dit? Le prophète a dit reçois une promotion. Il a dit que ton salaire sera augmenté. Elle vient me voir avec sa demande d'explication. Moi, je n'ai pas regardé la demande d'explication. Je lui ai dit femme va. Reçois une promotion. I told her, woman, go, receive a promotion. Je dis à quelqu'un aujourd'hui. I said there is somebody pendant today. Pendant que tu avances. While you are moving forward. Ne lève pas la main là-bas. Pendant que tu avances. While you are moving forward. Je ne suis pas dans la confusion aujourd'hui. I'm not in pendant confusion que tu today. Avances. While you are moving forward. Une promotion arrive à ta faveur. A promotion happened maman, in your viens, favor. Viens te placer ici. Mommy, come and stand here. Come and be connected. Cette femme est venue me donner une palette de 24 Malta Guinness ce matin. This woman came and gave me a palette of 24 Malta. That offering took in your favor. C'est-à-dire, j'ai 24 jours, je bois une Malta Guinness. I have 24 days. I'm drinking a Malta Guinness. Parce que j'ai le Malta Guinness là-bas. Because I have Malta Guinness there. Tu te connectes. You connect yourself. 24. Mon ancien. My elder. Avancez rapidement. Move forward quick. Je dois prier pour quelqu'un. I have to pray for somebody. Usaraba hushambranda yakausa. Je veux rapidement 5 personnes avant de prier. I speedily need 5 people before praying. Si je n'ai pas les 5 personnes, vous partez tous vous asseoir. If I don't have the 5 people over, you go have your seat. Si je n'ai pas les 5 personnes, if I don't have the 5 people, partez vous asseoir. You go and have your seat, all of you. Je veux rapidement les 5 personnes. I speedily need 5 people. Si, donc priez ici pour qui est les 5 personnes. Pray here for that 5 people. Si je n'ai pas les 5 personnes, vous tous. If I don't have the 5 people, you gotta have your seat. Je ne prie pas. Je dis que s'il n'y a pas les 5 personnes, il y a déjà. S'il n'y a pas les 5, il y a déjà les 5.
Yes. Voilà, j'aime le thème là, ça a dépassé. Le thème là est It plus overflow. That term is more short. Frère, ta vie est glorieuse. Your life is glorious. Tu comprends, non? Do you understand? Pense à cette église. Think about this church. Tu comprends? You understand? Pense à cette église. Think about this church. Dieu t'a guéri d'abord. God first of all heals you. Une maladie que tu avais. From a sickness you have. Deuxième chose. Second thing. Dieu te donne ce qu'on appelle promotion. God give you what they call promotion. Pense à cette église. Talk about this church. Think about it. Dans moins de 3 mois. Less than 3 months. Père, au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus. Pendant que je prie maintenant. While I'm praying now. Tu m'as dit parle à ce peuple qui va se lever. Talk to these people. Et dans 3 jours. And in 3 days. Ils vont recevoir une bonne nouvelle. They are going to receive a good news. Que cette femme. That woman. Qui est venue casser le parfum. That came and break the perfume. Jésus avait reçu. At the feet of Jesus, she cette bonne nouvelle avait changé sa vie. That good news changed her cette life. Cette bonne nouvelle lui avait donné une bonne réputation. That good news gave her cette bonne reputation. Nouvelle avait changé l'histoire de sa that vie. That good news changed the story of je her life. Je prie pour ces gens. I pray for these people. Que dans les jours qui viennent. That in the days ahead. Dans les 3 jours. In the 3 days ahead. Une bonne nouvelle. A good news. Atterrit dans ta vie. Land in your life. Et ton histoire change. And your story changed. Recevez. Receive. Recevez. Receive. Recevez. Receive. Recevez. Receive. Les téléphones vont sonner. Phone will ring. Les notes de service vont sortir. Note service shall come out. Les notes de promotion vont sortir. Note of promotion shall come out. Nouvelle. I say that good news. C'est fait. It is done. Pendant que tu vas écouter ce CD. While you will listen to this CD. Pendant que tu écoutes. While you will listen. Pendant que tu écoutes. While you will listen. Pendant que tu écoutes ces messages. While you will listen to this message. The good news happened in your life. Merci. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Chacun prend ici. Et tu déposes ton argent. Quelqu'un dit un bon amen. Somebody says a good amen. On a fini le programme. We have finished the service. Qui a été béni? Who has been blessed? Qui a été béni, alléluia. Who has been blessed? Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur? Can you stand up and put your hand together for Est-ce the Lord? Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur? Can you stand up and put your hand together for the Lord? Les femmes vont commencer à te marier dans ton village. Women will start getting married in your village. Il y avait des difficultés pour que les gens se marient dans ton village. There were difficulties for people to get married in your village. Brothers, come here. J'ai envie de prier. I would like to pray. Je vois beaucoup de cauchemars dans ta vie. I see many nightmares in ton your sommeil, life. Ton sommeil n'est pas bien. Your sleep is not good. Tu fais un sommeil agité. Your sleep is agitated. Un sommeil agité. It is agitated. Cauchemar. Nightmare, Et nightmare. Il y a une tante qui apparaît régulièrement dans ton There is an aunt that appears regularly in Les your dream. Difficultés que tu traverses dans tes affaires. The difficulty you are going through in your businesses. C'est elle qui connaît. She's the one that is responsible. Mais aujourd'hui, But today, c'est ta délivrance. It is your deliverance. Thank you, Lord. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Acclame le Seigneur. Put your hand together for the Lord. Est-ce que tu as bien acclamé le Seigneur? Alléluia. Have you clapped very well for the Lord? Hallelujah. Le problème, la femme s'y fait quoi là-bas devant? Tu fais quoi là? What are you doing there? T'assois, ma fille. Go and have your seat, my daughter. Hey. Hey. Faut pas t'amuser avec l'hôtel, hein? Don't joke with the altar. Quand quelqu'un vient déposer la photo ici là, c'est moi qui donne l'ordre qu'on enlève la photo. I'm the one that ordered to leave, to remove that pic. Si tu viens devenir aveugle ici, tu vas dire quoi? If you come and become blind here, what are you going to say? Faut pas t'amuser. Don't joke. Faut pas t'amuser. On est dans la présence de Dieu. We are in the presence of God. Moi-même, je ne m'amuse pas ici. I don't joke here. Parce que si je m'amuse ici, je laisse ma vie ici. If I joke here, I will leave my life. Je vous dis la vérité. I'm telling you. Si je m'amuse avec l'hôtel, if I'm kidding with the altar, je laisse ma vie ici. I could leave. Vous I could leave. Comment je meurs ici devant you vous. See me dying in front of you. Quelqu'un dit amen. Somebody says amen. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Receive your miracle in the name of Jesus. Prends ton téléphone. Take your phone. Lève ton téléphone. Prends ton téléphone. Take your phone. Take your phone. Take your phone. Prends ton téléphone. Take your phone. Prends mon iPad. La nouvelle peut arriver avec l'iPad. Prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Lève, lève. Lève. Père, au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus. Pendant que je prie. While I'm praying. Toute personne qui lève son téléphone maintenant. Any person that raises his phone now. Je connecte ce téléphone. I connect that phone. À une bonne nouvelle. To a good news.
Pendant que je prie, while I'm praying, il y a une onction de Dieu forte qui va there descendre. Is a strong anointing of God that will come down. Pendant que je prie, while I'm praying, à partir d'aujourd'hui même, from today, les téléphones vont commencer à sonner. Phone will start ringing. Ça sera des miracles. It will be miracles. Ça sera des miracles. It will be miracles. Pendant que je prie maintenant, while I'm praying now, je connecte ton téléphone au transfert d'argent. I connect your phone to je the connecte ton monies. Téléphone à MoneyGram. I connect your phone to Western Union. To Western Union. Je connecte ton téléphone. I connect your phone à Western Union. To Western Union. Je connecte ton téléphone. Connect your phone. Hey, hey, hey. Il y a l'onction de Dieu dans la salle. Il y a la main de Dieu dans la salle. Il y a la main de Dieu dans la salle. Is the head of God je connecte the ton téléphone. I connect your phone à MoneyGram. To MoneyGram. À Western Union. To Western Union. Je dis aujourd'hui même. Today. Je dis demain. Tomorrow. Je dis samedi. Je dis dimanche. Reçois ton miracle. Receive your miracle. C'est grave. C'est grave. It c'est grave. Terrific. La main de Dieu dans la foule. La main de Jéhovah est là. Il y a des gens ici. Les témoignages arrivent avec le téléphone. Les témoignages arrivent avec le téléphone. Reçois. Receive. À partir d'aujourd'hui, from today, je connecte ton téléphone aux bonnes nouvelles. I connect your phone to ton good téléphone news. Aux bonnes nouvelles. I connect your phone ton to téléphone good aux bonnes nouvelles. Your phone to good ton news. Téléphone aux bonnes nouvelles. Your phone to good news. Ton téléphone aux bonnes your nouvelles. Phone to good news. Reçois les bonnes receive nouvelles. Good news. À partir d'aujourd'hui, from today, tu n'auras plus peur quand ton téléphone sonne. You shall no more be afraid when à partir d'aujourd'hui, from today, tu seras en joie quand ton téléphone you shall sonne. Be joyful when your phone tu seras en joie quand ton téléphone sonne. Tu seras en joie quand ton téléphone sonne. Tu seras en joie quand ton téléphone sonne. Ça sera une nouvelle de promotion. Ça sera une nouvelle d'argent. Reçois ton coup de fil à 19h. Reçois ton coup de fil à 18h. Reçois ton coup de fil demain matin à 7h. Reçois ton coup de fil demain matin à 9h. Receive. Pendant que tu rentres aujourd'hui même, while you are going back today, tu seras encore dans le taxi. You shall be in the taxi. Le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un. The Lord is telling me there is somebody tu here. Tu seras encore dans le taxi. You shall still be in the taxi. Avant 14h02. Before 2 past 2. Avant 14h02. Before 2 past 2. Avant 14h02. Before 2 past 2. Il sera 14h01 dans ton téléphone. Ça sera un message de téléphone. Ça sera un message d'argent. Ça sera une bénédiction. Ça sera une restauration. Ça sera une bonne nouvelle. Reçois ta bonne nouvelle à 14h01. C'est fait. It is done. 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 Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Quelqu'un dit un bon amen. Somebody says a good amen. Pendant les délaissements. During the answering hour. Nous prenons une seule offrande. We only take one offering. Une seule offrande. One offering. C'est l'offrande de l'heure des délaissements. It is the offering of the answering hour. Take your offering. Selon que l'esprit de Dieu te conduit. As the spirit of God leads you. Nous sommes en train de donner à Dieu. We are giving to God. Ton offrande. Your offering. Prends ton téléphone. Take your phone. Et emballe avec ton offrande. And wrap it with your offering. Donne comme ça. Give it like this. Emballe comme ça. Wrap it like this. Oh. Pasteur. Pastor. Écoutez-moi. Listen to me. Vos téléphones vont sonner. Your phone are going to ring. Vous allez recevoir des messages d'argent. You shall receive message of money. On va vous appeler dans les pays. They will call you in countries. On va vous appeler dans les villes. They will call you from les gens vont vous appeler. People shall call you. Ça sera pour venir vous donner l'argent. It shall be to come and give you money. Lève-toi, lève-toi. Stand up, stand up. Lève-toi. Stand up, stand up. Premier vague. First toutes les personnes vague, every person on te devait l'argent quelque part. They own your money somewhere. La personne ne veut pas payer ton argent. The person doesn't want to give you that money. Pendant que je prie, while I'm praying, cette personne, that person, court vers toi pour te donner l'argent. Run toward you to give you money. J'ai dit que cette personne, I say that person, court vers toi pour te donner l'argent. Run toward you to give you money. La deuxième catégorie de personnes, the second category of people, c'est des gens. Are people qui attendent un miracle financier depuis le début de la semaine. That are waiting for a financial miracle since the beginning of the week. They promise you money this week. Nous sommes déjà jeudi. But today is already Thursday. Tu n'as pas encore vu. And you have not yet seen. Je déclare. I declare. Vendredi. On Friday. N'arrive pas à 18h. Will not happen. See. Tu reçois ton miracle. You receive your miracle. Quand ton téléphone va sonner, when your phone is going to ring, c'est pour ton bien. It shall be for your goods. Dépose ton offrande. Deposit your offering.
Viens déposer ton offrande. Come and deposit your offering. J'ai cette dernière instruction que je donne. I have this last instruction I will be giving. Écoutez-moi très bien. Listen to me very well. Écoutez-moi très bien. Listen to me. Demain. Tomorrow. Tout le monde ici. Everybody here. De 6h à 18h. From 6 to 6. From 6 in the morning. Vous êtes dans le jeûne et dans la prière. You are fasting and praying. Tout le monde. Everybody. Écoutez le prophète. Listen to the prophet. Demain. Tomorrow. De 6h à 18h. From 6 in the morning to 6 in the evening. Dans le jeûne et dans la prière. We are fasting and praying. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. You don't eat, you don't drink. Les femmes enceintes ou bien les femmes qui sont en train d'allaiter, vous pouvez manger. Pregnant women or women that are. Ne mangez pas la viande et le poisson. Don't eat meat and fish. Vous pouvez manger les sauces d'arachide, les sauces simples. You can eat granite, so simple. Les femmes qui allaitent et les femmes qui sont enceintes. People that are breastfeeding and pregnant. De 6 à 18 heures. From 6 in the morning nous to 6 in the evening. We are praying. Nous prions pour une seule chose. We pray for only Seigneur, one thing. Seigneur, je veux une bonne nouvelle. God, I want a good news. Aujourd'hui. Today. Une bonne nouvelle. A good news. Qui change ta vie. That changed your life. Et à 18 heures. And at 6. On se retrouve ici. We come here. Pour casser le jeûne. To break the fast. À 18 heures. At 6. On casse le jeûne dans la prière. We break the fasting in et dans prayer. La prophétie. And in prophecy. Demain à 18 heures. Tomorrow at que 6. Le Seigneur vous bénisse. Let the Lord bless ton témoignage you. Est vivant. Your testimony ton is miracle alive. Voit le jour. Your miracle sees the day. Oh, oh, oh. Tu as besoin de délivrance. You need deliverance. Pasteur Bobby. Pastor Bobby. Prie pour cet enfant. Pray for this elle kid. Est possédée. She's possessed. Va prier. Pastor, prie pour elle. Pastor, pray for her. Parce que je ne peux pas parler à une personne. Because I cannot talk to somebody. Qui donne l'autorisation. I say I'm the one that give authorization. Oh, d'abord le démon là. Go and chase that demon. Le démon est stubborn. Va voir le pasteur là-bas, chasse le démon là. Je n'ai pas le temps. I don't have time. Demain on se retrouve à 18h. Tomorrow we gather here at 6 to break the fasting in prayer. Allez dans la victoire. Go in victory. Ton témoignage a vu le jour. Your testimony has seen marchez the day. Dans la victoire. Walk in victory. Ton histoire a changé. Your story has changed. Tout va bien. Everything is all right. Tout va bien. Everything is all right. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Everything is all right. Everything is all right. Tout va bien. Hey, chantez. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Atterrir, passe par ta voiture. Et ce que les sorciers la font, c'est qu'au moment où ils passent, ils volent ton étoile. Parfois dans la nuit, on a les grains de sable, comme si le grand grain de sable soit en train de passer sur la toiture. Boum! Une impartition spécifique, une heure de prière, de guérison, de délivrance et de miracle. C'est à la CBC Cathédrale de la Foi, face d'Exaco Omnisport. L'heure de l'exaucement, c'est prodigieux. Faites place à la réponse de l'Éternel. Une heure pour être exaucé. Exaucé. L'heure de l'exaucement, tous les jeudis, 12h, 13h, à la Cathédrale de la Foi Omnisport. Si tu connais ce qu'un sorcier est capable de faire contre toi, une façon de parler et de prier. Contactez-nous au 99 79 43 68 ou encore heure de l'exaucement @yahoo.fr.